Les nouvelles de la Côte du Sud, une collaboration de la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et la Ville de Montmagny. Le député péquiste de Kamouraska-Témiscouata, André Simard, était à Saint-Jean-Port-Joli vendredi dernier pour y recevoir des mains de la porte-parole du groupe SOS Urgence, Manon Leclerc, une pétition de près de 3000 signatures provenant du secteur de la MRC de Lillet. Le député Simard appuie ainsi la démarche du groupe SOS Urgence qui souhaite conserver leur urgence 24 heures à Saint-Jean-Port-Joli. Avec plaisir. Soyez assurés que je vais remettre à la Chambre dès mon retour de la semaine prochaine et dans l'autre. Ce sont des pétitions, ce sont les originaux. C'est les originaux. De près de 3000 personnes. Alors, soyez assurés que ça va être fait. Quand ces services-là disparaissent, en tout ou en partie, ils ne reviennent jamais. C'est ça. Donc, tu comprends, là, puis on a des cas ailleurs au Québec en matière d'urgence. Et c'est pas parce que c'est un petit centre qu'on doit dire « Ah, c'est marginalisé, c'est pas... » Non, 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 c'est important. Et chaque vie, chaque soin est important. Par ailleurs, d'autres développements sont possibles dans ce dossier, selon la porte-parole de SOS Urgence, Manon Leclerc. Bien, écoutez, il y a plein de rebondissements. On a rencontré le directeur général lundi. On lui a demandé de regarder pour une urgence de catégorie B. Bon, là... Je ne vous expliquerai pas tout, c'est ministériel. Là. Actuellement, on est catégorie C, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on disait il faudrait que de façon minimale, que ce soit un 16 heures de couverture, 12 à 16 heures de couverture. C'est ce qui est une catégorie B. Donc c'est couverture avec médecins, infirmières et ambulances. Ce n'est pas ce qu'ils appellent leur urgence mineure, qui en fait est un mot qui n'existe même pas au niveau du ministère. Là. C'est une clinique externe. C'est une clinique externe. Oui, oui, tout simplement. Là. Mais tu sais, ça mêle les gens là, quand ils disent urgence mineure. Ouais. Les toute gens clinique comprennent externe plus. Sans rendez-vous. Oui, c'est ça, sans rendez-vous. Ouais, mais il n'y a aucun cas d'urgence qui est pris en charge dans une clinique externe. Donc, ça vient changer toute la donne. Là. Donc, c'est un peu ce qu'on lui a proposé. Bien, pas un peu, c'est ce qu'on lui a proposé. Puis lui, il est reparti avec un devoir à faire, à présenter à ses présidentes, qui a de présenter à son CE, qui après, au CE, vont décider s'il présente à l'ORCA. Voyez-vous comment c'est compliqué? Ah. Le député de Montmagny-Lillet, Norbert Morin, a annoncé vendredi dernier une aide financière de 24 000 $ à la municipalité de Tourville pour l'élaboration de sa politique familiale municipale et la réalisation de la démarche « Municipalité amie des aînés ». Le Carrefour Action municipale et famille, organisme qui accompagne la municipalité dans la réalisation de ses projets, a ajouté une somme de 6 400 $. La mise en œuvre d'une politique familiale favorise la prise en considération des besoins des familles dans tous les domaines d'intervention. La démarche MADA, inspirée d'une approche élaborée par l'Organisation mondiale de la santé, se fonde sur l'adaptation des politiques et des services municipaux au vieillissement de la population. Le Québec est considéré par l'OMS comme un chef de file au niveau mondial dans ce domaine. Les frères Raymond et Réal Sanson ont annoncé vendredi dernier un projet de développement domiciliaire d'envergure pour l'est de la ville de Montmagny. Le développement HNR2 offrira 60 nouveaux terrains résidentiels. Ainsi, nous offrons à tous les futurs propriétaires des terrains résidentiels situés à proximité d'une école, d'un parc municipal, sans oublier le parc Saint-Nicolas. Ces terrains seront disponibles pour une nouvelle construction dès ce printemps. Nous souhaitons, par ce nouveau parc immobilier, contribuer à l'essor de notre ville en donnant des possibilités à des familles qui viennent travailler à Montmagny de s'y installer et de profiter de tous les attraits qu'offre Montmagny. Le guitariste manimontois Gabriel Messervier est le gagnant du concours « Je joue de la guitare » de l'émission « Belle et bonne » dans la catégorie électrique. Le nombre des gagnants, catégorie acoustique et électrique, a été annoncé samedi soir, ce qui a créé un achalandage important sur la page Facebook du guitariste manimontois. Gabriel Messervier a mis la main sur une guitare Godin d'une valeur de 2000 $, un prix de 1500 $ et surtout, il jouera en direct le samedi 12 mars à Télé-Québec, alors que Belle et Bonne reçoit Éric Lapointe et France d'Amour, entre autres.
Au sport, les Canotiers de Montmagny ont atteint la demi-finale de la Ligue de hockey junior de Chaudière-Appalaches en éliminant Sainte-Marie en 4 parties. Montmagny a marqué 15 buts vendredi et samedi. Le gardien Marc-Antoine Coulombe n'en a accordé que 2 au cours de la même période. Les Canotiers se mesureront maintenant à Bellechasse en demi-finale. Le premier match du 3-5 sera disputé vendredi soir à l'Aréna de Montmagny. L'autre demi-finale opposera Lévis et Saint-Georges. Et les 2 équipes de canots à glace de la région, équipe ERS Fromagerie Ilo Grugy RM Thibault GM et l'équipe Croisière La Chance Restaurant Normandin Promutuel Montmagny-Lillet ont complété le circuit de la Coupe des glaces au 5e et 6e rang du classement final des 5 courses de championnat. L'équipe de l'Ilo Gru a obtenu la 3e place du Grand Défi des glaces entre Lévis et Québec samedi. L'équipe Croisière La Chance s'est fait distancer au niveau des points cumulatifs en raison de sa 7e position samedi. Voilà pour les nouvelles de la région aujourd'hui. D'autres nouvelles vous seront livrées demain dès la matinée au camp Bon Vous Semble sur votre écran d'ordinateur. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine.